Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes flattés de vous savoir toujours fidèles à la télévision de Jésus-Christ CVV International, CVV National, mais également sur nos réseaux Facebook et YouTube. Merci de votre attention soutenue à ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel, festivités qui sont placées sous le thème « Nous marcherons, nous ». Au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité, festivités qui vont se tenir à Kinshasa du 17 au 31 octobre 2021. Nous sommes donc en train de vous plonger dans le bain de préparatifs de ce trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est pour cela que nous avons fait le déplacement de Brazzaville pour venir, n'est-ce pas, rendre hommage au siège aîné du ministère chrétien du combat spirituel, un hommage que nous lui rendons à travers des témoignages des disciples et messagères de Jésus-Christ de Brazzaville, mais également à travers le regard que nous portons dans le rétroviseur de la CFMC du ministère chrétien du combat spirituel ici à Brazzaville. Nous sommes en train de mettre en exergue notamment les faibles commencements de l'œuvre que Mama Olangui a commencé ici à Brazzaville en 90. Et pour cela, nous avons des personnes aux ressources qui ont accompagné Mama Olangui dans ses faibles commencements. Et pour aujourd'hui, nous recevons une maman qui est spéciale, spéciale, oui, je le dis et je l'assume, parce qu'elle a été la première présidente nationale de la CFMC ici au Congo-Brazzaville. Elle s'appelle Maman Grâce Marie-Claire. Elle est promotion Marie-Madeleine. Shalom, shalom, maman. Shalom, papa. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, par la grâce de Dieu. Quand je parlais tout à l'heure de la promotion Marie-Madeleine, je vous ai vu sourire. Ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle beaucoup de choses. Mm-hmm. Dans quel concours de circonstances, Maman Marie-Claire, vous rencontrez Maman Olangui? Nous sommes en 90 ici à Brazzaville. J'ai rencontré Maman Olangui au travers de ma sœur Annie Kibara. C'est elle qui m'avait emmenée pour la première fois à la réunion des mamans. Et j'ai rencontré Maman Olangui. Qu'est-ce qui vous frappe d'emblée à partir de ce premier contact? Ce premier contact m'a bouleversée parce qu'elle parlait, on dirait, de moi. On dirait quelqu'un qui est allé lui dire des choses que je pensais déjà. Et ça m'a beaucoup bouleversée. J'ai pleuré. Et puis après, je suis allée la voir. Mmh. Vous l'avez vue? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, maman, vous avez parlé de moi. Je crois que maman Annick vous a parlé de moi. Elle a seulement souri. Mmh. Elle a dit, non, c'est pas comme ça, ma fille. Et puis nous avons parlé. Et puis nous nous sommes liés, quoi. Mmh. Alors, elle a parlé de vous. Vous aviez quel problème en venant à la CFMC à ses débuts ici à Brazzaville? En venant à la CFMC, j'avais beaucoup de problèmes. J'avais beaucoup de soucis. Parce que j'avais des problèmes avec mon mari et puis ça n'a pas marché. C'est pourquoi je suis venue. Et puis quand elle a parlé de ça, ça m'a choquée. Vous aviez ce problème-là avec votre mari et Maman Olangui vous apporte le témoignage de la restauration de son foyer. Ça vous relance, ça vous rebooste? Ah oui, ça m'avait reboosté vraiment. Ça m'avait vraiment choqué. Ça m'avait fait très mal. Et j'ai pleuré durant tout ce temps qu'elle parlait. Ça vous avait également rassuré que c'est possible de trouver la solution à ce problème? Oui, ça m'avait vraiment choqué et puis ça m'avait fait mal et je croyais que je devais avoir ce problème. Je devais avoir ce problème sur moi, quoi. Ça devait finir. Alors, vous aviez commencé à ce moment-là à vous remettre en cause ou bien toujours vous étiez en train d'accuser ce mari-là? Non, j'étais plus en train de l'accuser. J'avais vu ce que je pouvais avoir comme problème. Oui.
en vous, personnellement, qu'est-ce que vous aviez qui aurait contribué justement à cette situation-là déplorable? Je ne sais pas quoi vous dire, mais ça m'avait travaillé au fond de moi. Alors, en ce moment-là, vous constituez une équipe autour de Mama Olangi. Quel était votre rôle dans cette équipe-là? Bon, j'étais seulement comme tout le monde. Hein. J'étais dans son groupe comme tout le monde. Et puis, ses enfants m'ont attirée, surtout la petite. Je commençais à la soigner, à rester avec elle, à la prendre, et puis à faire la cuisine avec tout mon cœur chez elle. C'est tout. Comment était la vie au sein de cette petite communauté qui commençait à naître et à grandir? La vie était très bien, on était soudés, on s'entendait. Il y avait maman Danielle qui était avec nous et qui ne nous laissait pas. Il y avait maman Nick, il y avait maman Batantou et puis d'autres que peut-être que j'oublie. On était très soudés en tout cas, on s'entendait très bien. Et comment vous entrevoyez l'avenir de ce mouvement qui venait de commencer à Brazzaville? Vous lui donniez longévité, longue vie? Oui. Je voyais que ça avait une longue vie et qu'on s'entendait trop bien même. Et c'est ce qui me donnait l'envie de rester et de faire tout ce que je voulais faire. En ce moment-là, nous sommes en 90, les Aïrois n'ont pas bonne presse ici à Brazzaville. N'étiez-vous pas un peu quelque part méfiante, vous, ces dames-là, à l'égard de Mama Olangi, la Aïroise? Non, je n'étais pas méfiante. J'étais confiante. C'est comme si je les connaissais avant. Et puis, bon, elle m'attirait, quoi. Oui, c'est... Mais qu'est-ce qui faisait qu'elle vous attire, qu'elle vous inspire confiance? Bon, vu son témoignage à elle et ce qu'elle était, c'est tout ce qui m'a... Elle était comment? Elle était belle. Elle s'habillait très bien. Et puis, bon, elle était très gentille, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui a fait que ce mouvement évolue quasiment comme une boule de neige avec des adhésions massives des femmes à la CIFMC ici au Congo-Brazzaville? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, je voyais surtout ce qu'elle était, ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Voilà. C'est tout ce qui m'a attiré, quoi. Une femme qui vient, qui arrive, qui vous soutient et qui vous parle, qui est comme votre sœur ou votre mère, ça m'a beaucoup tiqué. Alors, vous étiez en train de vous habiller comment à ce moment-là, vous, le groupe de ce premier maman, par rapport à votre parure extérieure, comment était-elle? Bon, il y a des mamans qui s'habillaient en jupe, en robe, en panne, ce qu'elles voulaient mettre, mais moi... J'étais toujours en culotte ou en pantalon. Vous étiez à l'aise dans cette tenue-là? Oui, j'étais très à l'aise. Très à l'aise. Et vous avez continué comme ça? J'ai continué pendant très longtemps et puis ben, un jour, je me suis arrêtée. De vous-même? Oui, de moi-même. Alors qu'un jour, Mama Olangi ne vous a approché pour vous dire non, ou pour vous interpeller? Non, non. Elle ne m'a rien dit. Rien, je venais en culotte, j'étais en pantalon ou en culotte, mais elle ne m'avait pas dit quelque chose. Puis mes amis aussi ne me disaient rien. Maman Danielle et maman Annick, tout ce monde ne me disait rien. Et moi, j'étais comme ça, puis j'étais habituée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez? Le défi est parti d'où? Je me suis arrêtée, je crois, un jour. maman m'a dit... Non, il y avait une fille aussi qui venait là, je ne me rappelle plus son nom. Elle était aussi en culotte. Puis moi, je la regardais et puis maman Olang m'a dit, est-ce que tu trouves bien que tu te mettes en pantalon comme ça tous les jours? Ça ne m'a rien dit, je me mettais en plus en pantalon. Puis un jour, je dois, ah non, je me suis dit non, je crois que je dois arrêter, ce n'est pas bien. Puis j'ai arrêté. La foi de Mama Olangi au début, lorsqu'elle vous dit que cette œuvre deviendra internationale, nous aurons des écoles, nous aurons des hôpitaux et tout, vous y croyez?
Oui, j'y croyais. Je croyais vraiment. Je croyais parce que je trouvais qu'elle était forte en parole. Mmh. Et quand elle disait quelque chose, ça se faisait. Quand elle disait quelque chose, ça se faisait. Puis moi, je croyais qu'un jour, on deviendra international et puis national, quoi. National et puis international. Mmh. J'y croyais, quoi. Vous venez, maman Grace Marie, avec ce fardeau-là, ce mariage-là qui ne tient plus. Et donc, une année, deux ans, trois ans, qu'est-ce que vous aviez alors obtenu comme résultat à ce stade-là? Alors, j'avais trouvé la paix quand même, par la parole et par les témoignages des femmes qui se mariaient. Mmh. Hein, au départ, oh, oui, il y a eu des mariages et moi, je croyais que c'était vrai. Je croyais que ce qu'il faisait était vraiment vrai. Mmh. Il y a eu des mariages qui se sont réparés, quoi. Oui. Des mariages cassés qui se réparaient. Je voyais partout des gens venir avec rien et puis repartir avec quelque chose. Ça me touchait vraiment. Mmh, ça vous a apporté la paix. Ça m'a apporté une grande paix. Une grande paix. Qui vous a sûrement permis de ne plus accuser cet homme-là. Non, je ne l'accusais plus. Mmh. Je suis allée lui demander pardon. Ah, vous êtes partie lui demander pardon. Annick m'a dit, vraiment, il faut que ça se passe comme ça. Je suis allée avec maman Céline lui demander pardon. Mais vraiment, ça l'avait aussi touché. Mmh. Mmh. Et puis on commençait à se parler. Oui. Parce qu'on ne se parlait plus, hein. Puis on se parlait maintenant. Mais qu'est-ce qui était à la base, justement, de ce problème-là? Ah, c'est beaucoup de choses. Ça, je ne peux pas le dire. Mmh. C'est beaucoup de choses. Des liens, des origines, des condamnations? Des liens, de ma part, de sa part aussi, des condamnations, beaucoup de choses. Hein? Mmh. Oui. Alors, vous lui demandez pardon? Et puis, vous vous réconciliez? Oui. On s'est réconciliés, on est bien, il est en France. Chaque fois que j'allais à Paris, on se voyait, on se parlait, on est bien, comme des frères et sœurs. Mmh. Mmh. Alors, qu'est-ce qui faisait cette équipe solide autour de Mama Olangui, cette communauté que vous avez commencé à constituer? Qu'est-ce qui faisait votre force? C'était l'amour. En tout cas, on avait de l'amour, on a de l'amour jusqu'à présent. On est très bien avec maman Nick, maman Daniel. On se parle tout le temps. S'il y a un problème, on se soutient, on prie. À dire vrai, c'est l'amour seulement, c'est l'amour de cœur. Maman Marie-Grace Claire, que nous recevons aujourd'hui, a été la première présidente nationale de la CFMC ici, en République du Congo, ce de 95 à 2000. Une figure emblématique, n'est-ce pas, de l'histoire du ministère ici à Brazzaville. Et donc, en 91, se tient la première convention mondiale de la CFMC au Palais des Congrès à Brazzaville. Qu'est-ce qui a marqué cette première convention selon vous? Bon, cette convention a été marquée parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Hein. Mmh. Au départ, il y avait des petits problèmes entre nous, les anciennes. Et puis, on est allé à la présidence régler ce problème avec Madame Sassou. Et puis, on est revenu, on est rentré, on a fait la publicité, on a commencé à faire la convention avec maman Danielle, maman Annick, et puis d'autres mamans qui étaient avec nous. Et puis, ça a marché. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui avait changé dans la marche de la CFMC, de l'œuvre, après cette première convention mondiale, la CFMC? Ce qui avait marqué la confiance, c'était la venue de beaucoup de mamans qui étaient venues encore. Mmh. Et puis, ça nous a soulagés. On a très bien fait la convention. Mmh. La convention a été marquée par Madame Sassou elle-même et puis avec d'autres mamans qui étaient venues. C'était une très belle convention. Vous n'avez qu'à regarder sur les affiches, quoi. Mmh. Vous allez voir. Mmh.
Et progressivement, l'œuvre a évolué. Pendant qu'elle évoluait, il y avait aussi des persécutions. Il y avait beaucoup, beaucoup de persécutions. Je ne peux pas les citer. Ça m'avait fait très mal. Mmh. Oui. Pouvez-vous nous parler de quelques-unes de ces persécutions? Quelques-unes des persécutions, c'était les sœurs qui étaient avec nous, qui parlaient beaucoup. Et puis il y a eu la mort d'une maman. Et puis on a été amené. Je sais quoi dire, je ne saurais pas parler de ça. Ça m'a touché, ça m'a choqué. Mais qu'est-ce qu'elles ont eu comme impact, effet sur l'œuvre par rapport à sa marche? Ça vous avait affaibli? Non, ça ne m'avait pas affaibli. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait choqué, mais ça ne m'avait pas affaibli. Au contraire, ça m'a remonté. Des persécutions, des tribulations à gauche et à droite. Comment se présente en ce moment-là le moral de Maman Olangi? Oh, le moral de Maman Olangi était très haut. Hein? Elle avait le moral. Mmh. Oui, elle nous disait, bon, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Non, elle n'était pas cassée. Elle était vraiment élevée, très élevée. Mmh. Ça vous rassurait davantage. Hein? Oui, ça nous rassurait davantage. Mmh. Et nous étions tous là, nous étions toutes là. Mmh. Nous étions soudés vraiment. Mmh. Mmh. Alors, comment vous devenez première présidente nationale de la CFMC en 1995? Bon, je suis devenue présidente quand il y a eu un problème. Et puis après, sa maman m'a nommée présidente de nationale de la CFMC. Elle vous avait nommée présidente nationale de la CFMC. Elle avait avancé des raisons justificatives de cette nomination? Alors, vous aviez quelle feuille de route? Quelle mission? Quel rôle? Ma mission était de regarder les mamans, de prier avec elles, de les emmener à leur élévation et de bien faire le travail du Seigneur. J'imagine que vous étiez à la tête d'une équipe, hein? Oui. Et comment vous travaillez dans cette équipe-là? Bon, je travaillais avec les sœurs. Il y avait une vice-présidente qui était maman Dorcas, moi, et puis les autres qui me suivaient, qui travaillaient toujours avec moi, des mamans Annie qui étaient toujours pour me donner des conseils et de bien travailler avec moi. Donc là, vous êtes présidente nationale de la CFMC de 1995 à 2000. Le ministère commence ici en 90. Dix ans après, comment la CFMC a évolué ici au Congo-Brazzaville? La CFMC a très bien évolué. Il y avait beaucoup de sœurs qui venaient, beaucoup d'autres sœurs qui sont venues, qui travaillaient bien aussi. Et puis, on faisait une très belle équipe à l'époque. Maman Grâce-Marie, la CFMC a bien évolué. Cette CFMC qui a aujourd'hui 30 ans. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment à l'occasion de ce 30e anniversaire? Un sentiment de beaucoup d'amour envers les sœurs, envers Maman Nick, Maman Daniel, Maman Kibamba, Maman Batantou, ces sœurs m'ont beaucoup marqué. J'étais très bien avec elles et nous sommes toujours très bien. Et quand je regarde maintenant Eunice, je me dis vraiment que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Eunice était un bébé, aujourd'hui elle a même un enfant. Ça m'a fait pleurer. Elle sert le Seigneur. Elle sert le Seigneur. Ça, vraiment, je n'en reviens pas. Qu'est-ce que vous dites du parcours de la CFMC, du ministère chrétien du combat spirituel, 30 ans après?
tant de temps après, je ne sais pas ce que je vous dis, mais je sais seulement que le Seigneur y est. Par les témoignages, par ce que je vois, je me dis qu'il y a toujours le Seigneur à l'intérieur. Comment avez-vous reçu la nouvelle du rappel du couple Olangui, de maman Olangui? Ça m'avait fait très mal. Ça nous a fait très mal. On était là, perdus. Il y avait maman Nick, maman Batantou, qui sont allés au Zaïre avec moi-même. J'étais partie là-bas, à l'enterrement, avec les mamans au Kabando. Beaucoup de mamans, on était partis. Maman Gisèle, ça avait fait très mal, ça nous a choqués. Quelle est la grande leçon que vous avez tirée de la vie de maman Olangui? Bon, je ne sais quoi dire. J'ai vu seulement qu'elle était une grande servante de Dieu avec son mari. Et je ne sais plus quoi dire. Je sais seulement qu'elles étaient des serviteurs de Dieu. Vous avez été la première présidente nationale de la CFMC ici au Congo-Brazzaville. Je voudrais que vous puissiez, en tant que telle, adresser un message à toutes les mamans de la CFMC pour les 30 ans, justement, de la CFMC, par rapport à votre expérience. Par rapport à mon expérience, je vais dire aux mamans qui sont encore là, qui sont en train de travailler, de bien faire l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur les regarde. Il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde à ce qu'ils sont, vraiment. Qu'elles ne détruisent pas l'œuvre, qu'elles continuent. Parce que le Seigneur les a. Merci. Merci. Merci à vous aussi, maman Grâce Marie-Claire, première présidente nationale de la CFMC au Congo-Brazzaville. Vous faites partie de l'histoire et en tant que telle, nous avons le devoir de vous honorer, n'est-ce pas? Merci, papa. Alors, si on vous demandait de venir à Kinshasa pour les 30 ans, allez-vous accepter? Bon, mais si j'ai une bonne santé, je viendrai. Ok. Très bien. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. C'en est fini pour ce numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons parlé des faibles commencements de cette œuvre avec la servante de Dieu, maman Grâce Marie-Claire. Nous l'avons dit, elle a été première présidente nationale de la CFMC ici à Brazzaville de 95 à 2000. Elle a fait partie du premier noyau de femmes qui ont commencé la CFMC ici avec maman Elisabeth Olangui-Osho. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse.